Ok. Ouais, salut mes birds, c'est Parano. On se retrouve pour ce 7ème épisode sur Watch Dog. Donc juste avant, on venait de faire un truc de fou. Non, je veux plus qu'on entende, je veux plus parler de ce 6ème épisode. Voilà. Oubliez-le. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vas-y, sors de là. Vas-y, casse-toi de là. Si t'appelles les flics, je te défonce. Bon, ça va, tu es une grosse caguette. Donc, 6ème épisode, un petit peu what the fuck. Je vais pas vous mentir, ça aurait un petit peu arrosé, quoi, vite fait. Moi, il me faut rien en fait, il me faut rien pour être pété. Du coup, je fais un petit peu de la merde et ça se voit directement en vidéo. Je suis pas dans mon état normal. Voilà. On commence encore un épisode super bien. Faut que j'arrête de prendre des voitures. Des voitures de ouf là à chaque fois parce que je sais même pas les conduire. Donc on venait de récupérer la télécommande, je m'en souviens quand même un petit peu, je me souviens un petit peu de l'histoire, hein, l'air de rien. Il fallait qu'on arrive à trouver la télécommande pour ouvrir le pont et ouvrir et prendre l'accès en fait du CTOS. Le tout premier qui a existé à ce qui paraît, c'est un conte de fées, à en croire Aiden. Le bunker. Clara compte énormément sur cette légende. Et Tobias avait l'air d'en avoir peur. Le côté mythique de l'endroit m'intéresse peu. Mais si ça peut m'aider à retrouver Nikki, alors pourquoi pas? T'as retrouvé Tobias? Ouais. Et alors? On a joué au poker, on a discuté gentiment. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Clara, le bunker existe. Je te l'avais dit. Il va pas sans moi, j'arrive tout de suite. T'inquiète pas, je dois encore rétablir le courant. Ensuite, faut trouver une entrée. On se voit bientôt. Compris gros, c'était quoi, c'était du code ou donc comment activer ces trucs? Obligatoirement il y a un accès quelque part. Radio wifi, on s'en fout. Comment activer ce bordel? Comment activer ce bordel? Peut-être qu'il faut... Putain les gars, me faites pas réfléchir s'il vous plaît là, je suis pété. Ah. Le mec il tout, s'il vous plaît les gars, arrêtez. Arrêtez la drogue, putain de merde. Eh, petite musique est kiffante hein. C'est un petit peu salaud sur les bords Ubi des fois quand ils s'y mettent. Quand je dis ça, c'est dans le sens où... Ah merde, d'accord, il fallait... Oh, le bâtard. Ok. Il faut toujours passer d'un pont à un autre pour trouver l'accès et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu... Ok. Donc celui-là aura été assez simple. Même si pendant 4 secondes, je commence à baliser. Donc c'est comme pour ouvrir les sites OS, hein, en fait. Quoi? Non, monter, d'accord, ok. Je croyais qu'il y avait marqué moniteur, non, monter. Et le truc d'activation, il est... Non, il est pas là. Ah, d'accord. Oh non, il y avait un ascenseur juste là. Oh, il est bien. Tiens, non, c'est juste pour descendre, ok. Dire tout ça pour rien. Luc 2. J'ai
entendu le générateur se mettre en marche. Il va falloir plus de courant que ça. Tu peux chercher l'entrée. Comment Bloom a pu planquer un endroit pareil? J'espère qu'il y a un ascenseur secret. On appuie sur un bouton et le sol s'enfonce dans une base souterraine. Quoi, sous l'eau? On est sur une île. Ah oui, pas bête. En haut alors. Un des immeubles. Je continue à chercher. Lol, ça aurait été trop kiffant, genre la James Bond, quoi. Alors. Alors là, ça va un petit peu plus se compliquer, ou bien? On va commencer par celui du fond. Hein? Qui... Les générateurs sont là. Je vais pirater la porte. D'accord, piratons, alors. Vas-y, hein. Que des transporteurs. Échec de la reconnaissance faciale. Faciale. Ah. GG. Auto GG, gros. Le mec aussi, oh, il s'auto congratulations, tu sais. Tellement il galère. Je m'auto-félicite, bah ouais. Non, je suis pas narcissique. Bah non. Bah non, en fait, c'est pas par là. Merde, en fait, ça sert à rien. Faut te... Non! Ok. Ah, ah! Ah oui, en fait, c'était par ça. Ah oui, c'était par là. Pas mal les petits mesquins, hein. Je vous ai dit que c'était mesquin. Donc maintenant le truc il est en haut. Est-ce que je peux direct? Non, ça aurait été trop facile, gros. Alors je peux passer par là? Non. Ça va se jouer comment à ton avis? Je peux pas me faire écraser, s'il vous plaît. Ok. En fait, j'ai ok, mais je sais pas du tout. Hein. c'est le ok de. Non, non. Donc, pas par là, pas par là. On va essayer de faire le tour de l'immeuble, hein, comme d'habitude. Ah, je vois qu'il y a des escaliers là-bas au fond. Ok, il y avait juste le bout des escaliers. Et en plus, n'est pas du tout par là. La zone. C'est bien, par contre, qu'ils ont mis une sorte de zone où ils te disent voilà, c'est par là que ça se passe. Pour éviter aux gens comme moi de galérer comme une comme pas possible. Donc je pense que ça va se rejouer encore avec les caméras. Alors attendez, je suis en train de regarder là. Est-ce que comme ça c'est jouable? Comme ça c'est jouable, je sais pas du tout. Tant je vais me faire écraser. Ça a l'air de pas être là. Donc c'est cool déjà, voilà, je suis monté pour rien. Donc je pense que ça va se passer. Non ! Ça s'est passé quoi ? Je pense que ça va se jouer avec ce truc là-bas. Il faudrait que j'arrive à monter dessus. Et comment? Comment je vais faire pour monter sur cette merde? Telle est la question. Donc là, je vois qu'il y a des escaliers. Attends, il va s'écraser où là? En fait, c'était pas tout simplement. Il fallait que je monte sur ça. Tout simplement. Depuis tout à l'heure, je cherche comme une merde. Vous allez voir que c'est ça. Parce que je suis trop fort. C'était tout simplement comme ça. Putain, j'ai la haine. J'ai la haine. Activer.
que... C'est presque fini. Quand on y sera, tu pourras nous connecter au réseau. Attends, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Si je foire le coup, je t'autorise à déchirer ma carte de hacker. Attends, t'as vraiment une carte de hacker? Fais-nous entrer. Et peut-être que je te la montrerai un jour. J'y travaille. Ok. Oh, pas mal comme il est sorti de la voiture. Par lui, il est pas un peu maboule, non? Vas-y, appuie. Ok, donc on est passé par là. Le problème, c'est qu'il peut, il peut pas sauter lui. Il a pas de genre de jump ou de trucs comme ça, donc est-ce que ça va être... Ah mais merde, quel con. Je croyais qu'il y avait le vide entre les deux. Bon, c'est pas fini. Voilà, parce que là maintenant l'accès est bloqué. Si on allumait ça, ça serait bien, non, aussi de temps en temps ou... Alors, caméra. Ok. Ok. Je pensais pas que ça allait être aussi facile en fait. C'est con pour pirater en fait, c'est con pour le piratage des sites iOS, hein, pour ceux qui le font ou qui l'ont fait ou qui vont le faire. C'est le même principe. Il suffit juste de pirater. Par contre, je sais pas où il est. Ah, d'accord, il est tout en bas donc il faut bien descendre. C'est le même principe, il vous suffit en fait de chercher à droite à gauche des boutons pour le déverrouiller. Et puis après par la suite déclencher le contrôle pour le site iOS. C'est pas non plus compliqué, mais des fois il faut que vous cherchiez un petit peu à droite à gauche, c'est pas non plus la mort. Ça devrait marcher. Les composants. Ça y est. Le système vient de se réactiver. Attends-moi. Pourquoi ? Ça craint rien. Personne n'y a accédé depuis des années. Pourquoi ? Parce que je veux voir ta tête quand on ouvrira la porte. J'avoue, attends-moi, bitcheuse. Ok, j'ai failli mourir. Portail. C'est classe. Ah, c'est sympa ici. Tu vois ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je savais bien que j'avais raison. Clara, il faut qu'on fasse un pacte. Personne ne doit savoir. En tout cas, jusqu'à ce que j'ai fini. Bien sûr. Allez, pose tes doigts de fée sur ces ordi. Bon, voyons si on peut rallumer tout ça. Je fais le plus dur déjà. Vas-y, croise les doigts. Ouais, je suis débugué. J'y vois rien du tout. Tu pourrais allumer ? Et quoi ?
dirait que Bloom a pris le gros du hardware. Mais... les connexions, c'est ça le plus important. Voilà. On peut nous repérer ici? C'est un site sécurisé. Conçu pour être intraçable, incraquable. Oui, on est pourtant sur le point de le craquer. J'ai besoin de savoir d'où vient cette adresse IP. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? C'est juste une piste, c'est tout. Comment Damien a trouvé ça? C'est plutôt bien caché. Toutes les entrées sont fermées. On dirait que ça vient du quartier de Rossi-Fremont. Le territoire des Viceroy. Là, la télésurveillance. Je peux m'en servir pour voir l'intérieur. Tu peux me connecter d'ici? Non, ils sont complètement séparés du réseau. C'est très bizarre. Si je peux pas le faire d'ici, je vais me connecter à la source. Tout sera opérationnel avant ton retour. Il y a plus qu'intérêt. T'es un lourd, hein, franchement, le... Au début, franchement... Oh, comme ça. Comme ça, tu me passes un blackout, comme ça. Au début, franchement, du jeu, quand j'ai vu sa petite planque de merde et tout, là, j'ai dit, wesh, c'est quoi le délire? Là, ça y est, commence à envoyer du lourd, du coup, on arrive dans une putain d'entrepôt de malades. Soi-disant intraçable, incraquable, et comme il a dit, on était en train de le craquer, mais bon. Je pense que par la suite, il va y avoir du gangbang dans l'air. Et c'est aussi, ben voilà, rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Je voulais juste m'assurer de 2-3 petites choses. Déjà, voilà. Ok. Non. Laisse-moi tranquille. Ok. Ensuite, je voulais voir quoi? Je voulais voir juste l'arbre de compétences. J'ai 3 points. Il en manque encore un pour ce que je veux. Donc pour le moment, je ne touche à rien. Et on va sortir d'ici. Les mecs sont tellement flemmards dans le jeu que genre pour ouvrir les portes ils utilisent leur téléphone quoi. Connais Clara dans tout ça. La confiance, c'est dangereux. Mais sans elle, je serais complètement paumé. Clara, c'est la seule personne que je considère comme une amie. Ok, ça fait 3 heures il la connaît, il la considère comme une amie. Il faut d'abord que je trouve un accès au réseau CityOS. Ok. Par contre, c'est un peu long, non, pour... Ah d'accord, c'était pas là. La voiture est toujours là. C'est plutôt bon signe. Est-ce que je peux rentrer dedans? Ça, c'est une autre chose. Non. Vu que j'ai bloqué l'entrée. Voilà, mais ça m'apprendra. Putain de merde. Bon, il y a toujours le vieux 4x4. Hein? C'est quoi ce véhicule? Ah, c'est peut-être Clara. Alors. On m'a cagué dessus, lui. Où doit-on aller? Je suis désolé, hein, c'est bon. Genre Breaking News. 2 minutes, oui. 3 minutes, ça pique. Oh putain! Je vais y nager avec les poissons. Il faudrait que je m'en rappelle hein, que je le ferme à chaque fois le pont. Parce que sinon. Plutôt maniable. Hein. Bon, c'est un tank, mais ça va quoi. Grosse imitation Ford. Ouais, j'en suis sûr et certain. Ou pas, hein, on sait pas. J'ai l'impression que sur ce jeu, sur ce style de jeu, du moins pour tous les jeux comme ça en monde ouvert, ça a été pareil avec AC4. J'ai l'impression que tu fais une vidéo, je lance le chrono, je commence la vidéo,
Je regarde 2 minutes après, quoi. Pour moi, c'est genre, ça passe tellement vite. D'un coup, je regarde, là, ça fait 20 minutes déjà. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Pourtant, j'ai l'impression qu'on n'avance pas dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai l'impression qu'on n'avance pas, que genre, on est encore au tout début du jeu, alors qu'on est presque déjà, on est à l'acte 2, sachant qu'il y en a 5. Qu'il y en a 5. Je sais pas si c'est encore long, long, long ou pas. Ex m'a dit que ça va, il était assez long le jeu, vu qu'il arrive pratiquement au terme du jeu. Qu'est-ce qui s'est Et passé? merde, j'ai un fixeur sur le dos. Faut que je m'occupe de lui. Et tout de suite. Ah non, me dites pas que c'est un contrat, genre c'est un collègue ou quoi. Me dis pas qu'on m'a piraté ou un truc comme ça alors. Putain. C'est sérieux ce délire. Eh, ce mode en ligne en fait, c'est bien censé être bien. Putain, j'espère que c'est pas Alex ou quoi. Hein. Fuck that shit. Allez, dégage. Sam 6601. Je sais pas qui c'est. Mais le mec il vient de se tailler, non? C'est lui là. Je l'ai grillé direct. Je l'ai grillé direct. Je t'ai grillé, frère. Putain, le bâtard. Putain, je vais l'écraser, ça aurait été trop bon. Oh les mecs, c'est des chacals, je vous jure. Oh. Il va le trouver le chip, vas-y fils fuck. Moi je sors de la zone, je te prends ta voiture mec. T'es en train de tourner, normal, d'un coup un mec il arrive comme ça, il te pirate. Vous voyez ce que je veux dire? Où c'est que je le trouve le mec là? Il s'est volatilisé, j'ai l'impression. Mec, je vais te trouver, je vais te fumer, gros. T'as intérêt de vite cavalier. J'ai pas vu la dégaine qu'il avait, j'étais bête. Ça veut dire quoi ça? Ça rend fou. Ah, vas-y pirate frère. Je comprends rien. Et voilà. Tout en douceur. Foiré de merde. Ici la police, quelle est votre urgence? Ouais, c'est pour une urgence. Vous avez vu où il était planqué? Forêt de merde. Même plus j'ai pris ta voiture. Oh, il m'a mis le seum, lui, je vous jure, un truc de malade. Le mec, il vient, il te nique ta partie. Tu rentres dans rien du tout. Reste tranquille, voilà, allez hop.
Il a voulu faire le show, je l'ai entendu à la dernière seconde. Oh, un truc de malade. Oh, ça met chaud la haine, ça. Oh, oh franchement, j'aurais pas cru. Ça veut dire que n'importe qui vient comme ça dans ta partie d'un couteau hack. Oh, tranquille, gros. Voilà, les restes tranquilles, toi aussi. Oh, je suis sûr que vous devez être mort de rire derrière l'écran, là. Oh, il m'a mis chaud la haine, lui. Genre, il était planqué comme une fouine, genre, derrière... un truc de chantier. Même pas il s'est mis dans le décor avec les gens et tout, tu vois. Non, non, genre moi je me planque. Et la dernière seconde il a dit ça y est, je l'ai piraté, c'est enfoiré. J'ai vu sa tête de blond sortir là. Non, il avait une méchante voiture en tout cas. Moi aussi je vais faire le hacker. Attendez que j'ai terminé le let's play, vous allez voir, je vais faire le hacker moi aussi. On va rigoler avec ces petits chacals là. Excusez-moi la vérité, mais il m'a trop mis la haine. Non, 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 pas de planque. Ah, quoique, planque de gang, ça peut être pas mal. Vous voyez que je vous ai dit quoi, 26 minutes, j'ai rien foutu. J'ai même pas lancé un épisode. Quoi, j'ai même pas lancé. Genre l'émission principale. J'aurais trop aimé l'écraser en fait. Parce qu'après il est parti, il s'est planqué là. Vieille fouine. Dommage, je peux pas lui laisser un message. Je lui laisse fouine ça. Ouais. Ouais. Quoi? Quoi? Écoutez-les. Mais donne-moi ton compte en banque, toi. En fait, je fais ces missions de planque uniquement pour avoir l'XP pour débloquer de nouvelles armes. Du moins, j'aimerais bien que ça me débloque. Je vais lui mettre une balle dans la tête. Mais je peux faire mieux. Les types comme lui se croient au top. Alors je vais le faire descendre de son piédestal et l'humilier devant son équipe. Ça leur montrera que personne n'est intouchable. T'es un bon, Aiden. T'es un bon, gros. T'es un bon. Personne n'est intouchable. C'est quelle mission? Oh non, arrête! T'es sérieux, j'ai déjà fait celle-là! Ah ben oui, c'est vrai, j'ai recommencé sur PS4! Ah ouais, bon, ben ça va alors, je connais. What? Mais t'es sérieux, gros? Tu te téléportes comme ça? Bon, j'espère qu'elle va être assez rapide. J'ai envie de lui tirer une balle dans la tête à lui là. Genre il se tourne depuis tout à l'heure. Mais j'ai peur que ça attire l'attention des autres. J'ai pas commencé tout de suite. Je vais d'abord éliminer le sniper qui est au-dessus. Faire comme d'hab. Merde, je veux pas ça, je veux la caméra. Ah merde, y'a pas de caméra là, d'accord, ok. Allez, ramenez-le. Allez voir par là-bas. Et surtout faites gaffe. Oh merde, j'aurais dû le faire sauter, c'est con. Ben mec, que je peux hacker là. Continue. Bon, lui, il faut le mettre au sol, ok. Je vois que dalle. Je vais chercher là-bas. Ah, je vois que dalle. Je vais chercher là-bas. Ok, si personne voit que dalle, alors on va tout chercher là-bas. Ah, voilà, toi, tu es à côté. T'as aimé? J'ai failli me pisser dessus. J'ai un tympan percé. Fais une pisser dessus quoi. Carrément le mec, normal. Soyez prudent. Allez-y et revenez pas. Attention. J'ai assez partout, putain, je veux pas de surprise.
Vous surveillez ce côté ? Faites gaffe. Aiden, Aiden, Aiden ! T'es sérieux, gros ? Oh non, t'es pas sérieux, frère. Oh, j'ai trop la haine. Oh non, putain, entre ce sixième épisode et le septième épisode, c'est du n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis monté sur la caisse, en fait. J'ai voulu contourner la caisse et je suis monté dessus, quoi. Bon, c'est pas grave, on l'a refait. Là, franchement, un truc de malade, quoi. Là, c'est épisode fail sur épisode fail. C'est juste un truc de fou. Moi, je vais tous les marquer déjà, comme ça, ça sera fait. Lui, il peut faire diversion, on s'en fout, lui, il va faire exploser. Allez, fais diversion, fais mimuse. Moi, je vais le mettre à abattre. Je sais pas où il est le mec, il faut que j'abatte, que je mette à couvert. C'est lui. D'accord, il a pas voulu se montrer. Retrouvez-moi ce bâtard, allez. Trouvez cet enculé et butez-le. Je vais le cueillir. T'es mort, mec. T'entends? Vas-y, on est marre de jouer genre en mode... Ah ouais, tu l'as eu plus que dans le cul, mec. On est baisé. Il est où, sniper? Putain, c'est foutu. Va bien falloir que tu sortes. Le sniper est là, ok. On va pas sortir sa tête de troufion, lui. Je vais devoir me charger. On va se faire baiser. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, les ils ont des réactions bizarres, je trouve, des fois, les persos. Voilà, encore, je me suis trompé encore une fois. Mais lui, d'où il me tue, lui? Vous êtes sérieux, il me tue par là? Eh, cogno. C'est quoi? Tu aimes danser? Allez, danse. C'est la hesse. Putain, ils sont tous morts. Sale bâtard. Il reste plus que toi et moi. Et genre, jamais recharge ce con, non? Et t'es un psychopathe? T'es au courant? Il s'en bat la race du juleur. Enfoiré, 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 j'ai envie de te défoncer, quoi. Bon, franchement, je vais pas vous mentir, les gars. Je crois que je vais arrêter de jouer quand je piave parce que déjà quand je piave pas c'est de la merde, alors quand je piave c'est un truc de fou, quoi. Vous, je pense que vous devez être mort de rire là, hein, derrière vos trucs, normal. C'était lequel? C'était celui-ci. Ça déjà, ça c'est fait.
On va mettre un petit peu aussi autre part. Parce que c'est vrai que je mets toujours le même truc. Focus amélioré. Prolonger l'effet du focus, ça peut être intéressant ça, je vais pas vous mentir. Après bien sûr, deux points. Gilet pare-balles, ça peut être intéressant aussi. Hein. Réduire les... Ouais, par les balles ennemies, parce que là franchement je commence à souffrir dur. Ça je verrai ça par la suite. Les véhicules. Diminue le risque d'éclatement, ok. Améliore votre furtivité. Votre furtivité, pardon. Améliore la conduite hors route sur les herbes et pistes, d'accord. Augmente les dégâts infligés aux véhicules ennemis lors de la collision. Pourquoi pas. Ok. Et ensuite, objet à fabriquer. Ok, ça c'est. Ah oui, c'est ça aussi qu'il fallait que je fabrique, putain. Trop de trucs, les gars. Bon, ici on range l'arme. On a découvert un corps à South Central ce matin. Nos sources parlent d'une exécution d'origine nationale. Dehors! Police, j'écoute. Quelle est votre urgence? Ouais, il se passe quelque chose. Allô? Lâche ça! Je crois que j'ai perdu l'appel. Allez, on reste calme, on respire. Ouais, respire, mec. Vaut mieux. Je te casse en deux. Alors. Tu vois par exemple ça, tu vois ça fait plaisir. Parce que direct j'arrive. Je vois direct qu'il y a un carré bleu. Donc les trois cousins là, les trois frères bim bam boum. Qu'est-ce que c'est ça? Les agents de Bloom sont des hackers d'élite dissimulés par... Oh putain de merde! J'écoute. On m'a piraté. J'ai marqué le hacker. On peut sortir un compte. Ici l'opérateur Bloom, veuillez répéter. Quel est votre statut? Laissez-moi! Oh la biatch! Je savais pas qu'on pouvait faire ça! Putain, heureusement! Elle a failli me dénoncer, elle! Vas-y, j'ai pas envie de me faire hacker encore 10 fois dans la journée là! C'est des fous du hack, eux. Ils en peuvent plus, là. Laissez-moi tranquille. Nous recevons le docteur Phil Edelman, célèbre psychologue. Docteur, vous savez, il existe un justicier dans notre ville. Vous pensez que c'est une bonne chose? Ma foi, je ne dirais pas que c'est une bonne chose, mais les citoyens ont besoin d'être rassurés dans cette ville empreinte d'une violente histoire criminelle. Et vous pensez que cet homme les rassure? Il ne fait que créer une illusion de sécurité. Les gens ne devraient pas le considérer comme un héros. Et son état mental? Est-ce que c'est un fou? Je n'aime pas le mot fou. Il a un but. Il s'agit de quelqu'un qui a perdu le contrôle ou qui pense l'avoir perdu. Et dans son esprit, il se le réapproprie. C'est peut-être une victime lui-même et tout cela est une sorte de défouloir. Il arrêtera quand il estimera avoir repris le contrôle. Il arrêtera. Juste comme ça. Oui, comme ça. Ah, j'ai bien aimé par contre ce petit... Cette petite station là où le mec il parle sur moi. Il arrêtera comme ça. Ouais. Weg. Donc je pense que je vais arriver jusqu'à la mission et après je vais arrêter là. Je vais essayer de reprendre un petit peu de mon sérieux parce que c'est vrai que ça part un petit peu en cacahuète là, dur. Mince, déjà. Ah ben c'est bon, il y a une autre piste. Donc j'avais pas prévu tout ça, hein, le truc de hack qui m'a amené vers la mission, qui m'amène vers, voilà. Encore une fois, comme je le disais au début de l'épisode, j'ai l'impression que ben on n'avance pas. Parce qu'à chaque fois que je fais un mouvement, il y a soit les flics qui m'arrêtent, du coup ça part en sucette. Soit je fais de la merde, soit comme d'habitude quoi. Du coup on n'avance pas dans l'histoire, bon c'est pas un problème, hein, moi ça me fait pas chier du tout. Ça me fait pas chier du tout de jouer. Au contraire, moi j'en apprends un peu plus sur le jeu. Ah merde, d'accord, c'était un site à craquer, d'accord. Donc moi je pense qu'on va s'arrêter ici. Normal, j'allais rentrer comme si c'était chez moi en fait. Non, c'est un truc que je dois pirater, j'ai ouvert la barrière. Tranquillou, Melou. Donc écoutez les oiseaux, merci d'avoir regardé cet épisode. Encore une fois, what the fuck, un petit peu. Donc le 6 et le 7, c'est vrai que c'est deux épisodes que... Ben voilà, il en faut dans des let's play, surtout dans mes let's play. Oups, excusez-moi. Si vous avez entendu un petit bruit. C'est mon téléphone qui s'est débranché. Donc, je vous dis à très très bientôt. Merci encore d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez kiffé. Et puis, je vous dis à très très bientôt. C'était Parano. Allez, peace.